Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo découverte sur Antventor, un petit jeu créé par un studio indépendant, Loopy Mood. Loopy Mood, un petit studio de 5 personnes qui ont fait un petit jeu absolument magnifique. Et même si on a fait le let's play sur Twitch, je voulais le partager sur YouTube aussi, donc je vais vous offrir les 15 premières minutes de jeu de ce let's play sur Antventor, et si ça vous plaît, vous pourrez aller l'acheter sur Steam, parce que ce jeu ne coûte quasiment rien. Le prix fort, c'est 5€, et à l'heure actuelle, il est à 4€, vu que c'est la période des soldes sur Steam. Et pour ce prix-là, vous avez un petit jeu au graphisme absolument magnifique, qui rappelle Unravel 1, Unravel 1 que j'avais fait aussi sur Twitch, qui était magnifique. Je vous le conseille, ce jeu là par contre, Unravel 2 qui est sorti dernièrement, je vous le conseille si vous aimez vraiment les jeux de plateforme. Le 1 était franchement une promenade, une féerie, agrémentée de quelques énigmes. Le 2 est un peu plus compliqué, s'adresse plus à un public de plateformeurs, mais on parle surtout de Unventor dans cette vidéo. Unventor qui est un point and click qui raconte les aventures d'une petite fourmi pas comme les autres, un jeu qui est bourré d'humour avec des énigmes plutôt pas trop compliquées, même si certaines nous ont donné du fil à retordre, mais elles sont pas compliquées. Et le truc pour un point and click, en général les point and click comme ça sont assez bloquants, vu que si vous trouvez pas la solution, vous êtes pendant des heures sur le même tableau bloqué. Et ben non, là vous avez une petite mécanique qui vous donne 2 minutes, et si au bout de 2 minutes vous n'avez pas trouvé, vous pouvez toujours prendre, vous avez le choix d'avoir un indice qui va vous amener vers la solution. Et ça, j'ai trouvé une petite mécanique super sympathique, mais je vais pas vous en parler plus et je vais vous laisser savourer ces premières minutes du jeu. N'hésitez pas à lâcher le j'aime, à lâcher un commentaire pour dire ce que vous en avez pensé, et à vous abonner si vous êtes passé par là. Et bien sûr, n'hésitez pas à aller acheter le jeu, comme je vous rappelle, il est vraiment pas cher. 5€, c'est même pas le prix d'une place de ciné. Il dure à peu près, le jeu, parce que ça je l'ai pas dit, le jeu a une durée de vie de 2h, 2h30. Moi j'ai mis personnellement 2h30 pour le finir. Donc c'est quand même rentable, hein, 5€ pour 2h30 de plaisir interactif, une place de ciné. Je crois que le prix moyen d'une place de ciné en France c'est 10€, et c'est pas interactif. Donc oui, 5€, c'est franchement, des petits jeux comme ça, il faut les supporter. C'est franchement plaisant, comparé aux gros, aux grosses licences à 60€. Les petits jeux comme ça, faut les aider, et faut leur faire de la pub. Donc sur ce, je vous laisse savourer ces 15 premières minutes du let's play de Unventor qu'on avait fait sur Twitch. Have you ever wondered what the world would look like if you were the size of an ant? Welcome to the macro world. This is Ant Hill, where hundreds of ants work every day. But there is one extraordinary ant. Meet Florentine, the inventor ant. Florentine! He hates all this routine work so much, he invented a mechanism that does the job for him. And it's not just to make his life easy, but in order to reach his long-cherished dream. The dream to see the world. See the world. Artisanat. Je peux combiner des trucs apparemment. D'accord. Super. Indice, clic droit pour les indices. Ok. Donc c'est la petite fourmi qui est... c'est une fourmi spéciale. C'est une fourmi différente des autres. Les autres, elles sont là pour faire les tâches uniques, routinières, tandis qu'elle, elle aspire à visiter le monde, à aller voir Paris, New York, la tour de Pise en Italie. Elle aspire à voyager, à voir le monde. Et donc du coup, elle a construit une machine pour bosser à sa place. Vas-y, réveille-toi. Et par contre, j'ai oublié comment elle s'appelait. Florentine. Florentine. Avec toi, Florentine. Tu m'engueules parce que j'ai appuyé sur le timbre. Ah, c'est des timbres, en fait. Non.
Faut que je clique là. Pourquoi il faut que je clique là? Je sais pas. Eh bien, il y a le petit doigt qui bouge. Ok. Hein? What? Ah, elle m'engueule. Ah, c'est pour se déplacer. Excellent, la petite main pour se déplacer. Tu verras Luffy quand il baille. Je peux aller là. Non. Quoi? Tu veux pas aller là? Non, tu veux pas. Ouais, tu veux pas, hein. Vas-y, clique là pour aller voir Paris. Aller voir Anne. Elle rêve d'avoir des ailes aussi. Je trouve du bois. Je peux pas sortir par là. Ah, ici. Ok. Oh mec, il se casse la gueule. Où j'aille où? En fait. Oh, mais c'est là, tout en haut, le... D'accord, j'avais pas vu. En fait, il faut aller chercher le bois qui est au-dessus. Ok, donc j'ai du bois en haut. Oh! Elle a un peu trop forcé, il y a une fuite. C'est pas une fusée en fait, c'est en fait il faut qu'elle mette du petit bois en fait, de merde, comment on appelle ça, pas des copeaux, des copeaux, faut qu'elle mette de la sciure de bois en dessous, et du coup elle a inventé une machine pour créer de la sciure à partir du bois plutôt que elle soit obligée de le faire. Du coup faut quoi maintenant? Comment ça? What? Pourquoi tu mets un... Me mets pas un sablier, ça me stresse quand il y a des sabliers. On n'a pas regardé ça. Oh! Attends, ça avec ça? Non? Non. Comment on fait? On va associer des trucs. Mais ça marche pas. Non, il veut pas. Si vous avez des idées, dites. Hein. N'hésitez pas à dire. Ok. J'aime bien le hamac et accrocher une racine. What? Oui, bah c'est cassé. J'ai bien vu que c'était cassé. Il nous reste une minute, les gens. Ah, dans une minute, non. Il nous laisse chercher. Ah, j'ai mis la chaise en haut. Pourquoi j'ai mis la chaise en haut? Oh, si je fais ça. Yes! Au fort, je suis.
Attends. Non, je suis parti derrière. Je peux pas l'ouvrir. Tout à l'heure, elle était ouverte, je peux pas l'ouvrir. Ah, peut-être là. Oh! En fait, je démonte la boîte ou quoi? Ah, je peux descendre en dessous. Non, il veut pas descendre en dessous. Ok. Ah, si je mets ça comme ça. Comme ça, je peux descendre. Yes. Comme ça, je peux descendre. Parce que sinon, il allait se faire mal, forcément. Non, non, il veut pas toujours. Si je fais ça sur ça, non. Si je fais ça, non, je peux pas. Tout à l'heure, il y avait une surbrillance. Non, il veut pas. Yes! Maintenant on peut descendre. Yes. What? Oups. Faut pas qu'il nous voit. Ok, faut pas qu'il nous voit. Comment on fait pour pas qu'il nous voit? Il faut éteindre la lumière. Nickel. J'adore l'expression du visage de la petite fourmi. Ah, il y a quelqu'un. C'est pas une fourmi soldat, ça. Il faut que j'aille voir là, apparemment. J'ai compris. Mais il veut pas aller là. Ah si, comme ça, on détournait son attention. J'ai cliqué là, j'ai détourné son attention, les gens. Non, il veut pas se lire les mains. Ok! Il faut que je rentre là. Il faut que je fasse quelque chose pour... Ah! Il faut que j'attire son attention. Et que je passe derrière. J'ai accroché la lampe. Enfin la fourmi feu, la fourmi lampe, enfin le truc le ver luisant. Détends là chez la mamie. Oh! Vas-y, ah, il va peut-être être attiré par la pin-up. Yes, 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 ça marche. Vas-y, 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 vas-y. Mais si, vas-y, regarde. What? Mais vas-y! Pourquoi t'as pas voulu y aller? Regarde.
Pourquoi il veut pas? Pourquoi il veut pas? Ninja. Bonjour, je cherche un canapé. Qu'est-ce qu'il fait? Il tape sur du bois avec un caillou. Oh, si je lui mets la ça en dessous. Yes, nickel. Hop. Maintenant je prends ça. Et je mets sur le tas de sur. Non, il veut pas. Oh, il y a un autre bouton là. J'ai deux boutons. Ah, t'attends. Non, c'est bon. Je clique un peu partout pour voir ce qu'il peut faire. Trois fois. Oh, on peut les combiner. Ça fait trois tas. Ouf, ça fait un gros tas. Est-ce que ça suffit le tas là? Est-ce que ça lui fait un canapé? Yes. C'est lent. Hop, on peut y aller. Ninja. On est dehors. Ça fait penser à Minuscule. Je sais pas si vous connaissez Minuscule, la série. Oh. Si la série animée Minuscule qui passait sur Canal au départ, qui est dispo aussi, enfin on peut la trouver sur YouTube aussi, Minuscule qui est énormissime, avec des décors un peu comme ça, des décors un peu, enfin, filmés en images réelles, et puis après ils ont incrusté des petits insectes comme ça en animation dedans, c'est super bien fait. Si jamais vous connaissez pas, n'hésitez pas à aller voir Minuscule, c'est excellent. Oh oh, qui c'est qui aime pas les araignées? Si vous aimez pas les araignées, allez vous cacher, il y en a une grosse.